Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai remis mon pédalier et derrière Elix. Voilà, alors je sais, ils vont dire, ouais, il sait pas ce qu'il veut. Après réflexion, si, je sais ce que je veux, hein. Mais après moment de réflexion, je me suis dit, de toute façon, les Nice, quand j'avais dit dans d'autres vidéos, ça suffit largement pour l'hiver. En plus, il fonctionne très bien. Donc, je vais le remettre. Voilà, c'est aussi bien. D'autant plus que la revente, le NX, sincèrement, ça vaut pas grand chose. En plus, prix neuf, c'est pas excessif. Donc, forcément, d'occasion, ça vaut quasi rien. On va dire un 30 balles, hein. Derrière NX, on en a un, quoi. Donc, je préfère le remettre, revendre mon autre matos pour gagner un peu plus d'argent, pour permettre de racheter le matos de mon Orbea. Voilà, dessus, tout simplement. Donc, j'ai remis tout le NX que j'avais mis là, et ça, voilà. J'avais dit aussi sur d'autres vidéos que mon vélo il arrêtait pas, j'arrivais pas en fait, et il se cabrait constamment. Voilà, si je mettais trop l'avant, l'arrière, j'avais pas assez d'assises à l'arrière. David m'a dit, ouais, il m'avait proposé, change ta potence, ça se trouve, elle est beaucoup trop grande. Parce qu'elle fait 80 mm d'origine. J'ai dit, pourquoi pas. Alors j'ai piqué celle-là de mon Orbea, qui fait 60 mm, donc 2 cm en moins quand même. J'ai essayé. Donc hors caméra, j'ai essayé, je me suis entraîné, et sincèrement, c'est une grosse, grosse différence, quoi. Et là, boum. Donc j'ai racheté, j'ai remis ma potence sur mon Orbea et je me suis racheté une autre, hein, pas très cher, hein, 20 balles, ça suffit largement. Donc je gagne 2 cm, 6 degrés d'inclinaison et du coup, ouais, je suis un peu plus à l'avant. Dans les gros dénivelés techniques, voilà, je suis plus le cul sur la selle et qui fait que mon vélo il se lève plus. Voilà, tout simplement, c'est carrément mieux, quoi. Donc on joue aujourd'hui avec David et Elodie, on va faire pas mal de petits sentiers, mais vraiment de petits sentiers, vous allez voir, c'est hyper étroit, vraiment dans la forêt, plein de racines, tout ça et tout. Vraiment du technique, il est plutôt pas mal ce parcours là. Donc je les attends et après on est parti, quoi. Parti, quand je dis, c'est qu'il va être que du petit sentier comme ça. Ça va être assez sympa. Ah, quand on sera des chasseurs. Déjà. C'est le problème. Alors, il a plu cette nuit, parce qu'il a pas plu de la semaine, on s'est dit ça va être nickel. Et il a plu forcément cette nuit. Et là c'est un peu gras quand même, mais bon. Hop. Ce sentier là. Tac. Tac. Hop là. Elle est vraiment sympa cette forêt. Pas mal de choses à faire. Ça va être très dur aujourd'hui. Hop. Bon, là c'était labouré par les bécanes. Ça se voit. Hop, faut pas trop glisser. Impeccable. Tac. Là il y a de la caillasse. Oh là là. Là ils ont tout retourné avec la moto. Bon. Là c'est que du silex. Et quand c'est sympa. Tac, c'est vraiment dans, je sais pas si c'est une tranchée, des racines partout. En fait, ça rejoint le chemin de tout à l'heure. Ah, voilà. T'as vu, en plus, l'oiseau il se fout de ta gueule en plus. Ah. Là, on va attaquer du technique, les amis. Hop. Ça monte. Je remets la caméra un peu mieux. Hop. C'est plutôt pas mal. Fais gaffe parce qu'elle est de la racine. Par contre, de la racine, il y a de la racine et c'est mouillé. Voilà, je mouline trop. Ah. Tac. Hop. Allez.
Tac. Oh, les racines, tout. Là, c'est grand. Hop. Faire toujours un petit pied d'appel. En cas où, quand on voit les grosses racines, c'est quand on est en dévers. Je sais pas si on voit, mais je suis un peu en biais. Mais quand même, si. Moins que la semaine dernière, mais quand même. On aime bien prendre des chemins techniques. On aime bien la technique. Les chemins roulants, on est moins fan. Après, bon, c'est pareil, ça dépend des secteurs où on habite. Bon, là, on est en Normandie. On arrive à voir des belles petites forêts comme ça. Il y a du technique, tout ça et tout, où c'est vallonné surtout. Donc ça, c'est cool. C'est sûr qu'il y a des secteurs où vous n'êtes pas servi, les pauvres. Vous avez beaucoup de plaines. Beaucoup de plateaux. Ça, j'avoue. Regardez-moi cet arbre. Regardez-moi ce tronc d'arbre. Il est énorme. Regardez les racines, le tronc. C'est fou. Ouah ! Bah les amis, c'est grand. Oh oh ! Hop là ! Hop là, nickel. Hop. C'est de racine. Beaucoup, les caillasses. Ah, ça c'est racine. Hop. Ah, ces troncs là, des fois c'est pas forcément le moins dangereux, le moins dangereux, ouais. Entre les petits branchages, les cailloux. Je vais ralentir parce que là, on voit ça. Je vais pas me gaufrer, c'est pas le but. Hein. Bon bah, oula. Qui dit descendre, qui dit monter. Comme d'hab. Ah, ça va piquer sec là. Ouh. On va y monter. Là, ça, et après ça monte tout là-bas. Elle est raide comme dingue, comme je sais pas quoi. Voilà. Il s'est déjà planté là. Oh, elle est dure. Parti. Je suis pas sûr. Hop là. Allez. Puis on arrive vraiment sur des petits chemins. Tout petit sentier. Hyper agréable à rouler. Hop, c'est un peu technique aussi. Et là, il y a plein de racines. Hop.
fait qu'au tourner. Et ça monte encore. Impeccable. Et après ça monte, ça monte. Ah c'est raide. Franchement j'en ai un peu marre. J'ai mal à mes genoux, j'en ai marre. Perso. J'ai pris la pédale sur la petite branchage, il fallait pas. Ça fait que ça, monter, descendre, monter, descendre. Technique. Tac. Là, si on tombe là, on glisse bien, bien, bien loin. Ça glisse bien. Là, c'est sauvage, brut. Là, faut reprendre son élan. Hop, appuyer. C'est que ça sur des kilomètres et des kilomètres. Parce que là, hop. Hop. J'ai pas descendu ma selle, j'aurais peut-être dû. Bon, j'ai redescendu la selle parce que là, ça craint un peu sinon. Mal pris en plus. Tac. Oh putain, pas en montagne. Grave. Terminé les amis, résultat 22 km pour 476 D+. Donc c'est plutôt pas mal, hein, j'avoue. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, il y a pas mal de petits sentiers techniques. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et nous on se dit la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine les amis.